Salut à tous, c'est Angel038 et Cédric X9. Salut Cédric. Salut à tous. Et on se retrouve après plusieurs mois d'absence sur notre coop. Bon, ça a peut-être un petit peu ni queue ni tête puisque maintenant F1 2015 est sorti, mais on se retrouve sur cet opus de F1 2013 pour les plus nostalgiques d'entre nous avec les vrais moteurs, les vraies sensations de vitesse, le KERS, tout ça et la grande époque Red Bull bien sûr. Et puis aussi, on arrive un peu comme des touristes hein, parce que depuis tous ces mois où on n'a pas touché à F1 2013 par rapport aux problèmes techniques, et ben on a un peu perdu nos petites habitudes. Donc là on était parti pour faire les essais libres et puis on a eu quelques soucis pendant les réglages de volant de Cédric, ce qui lui a valu une disqualification. On a pensé faire bien en quittant la session et puis en relançant le online, puis finalement on se retrouve aux qualifications sans avoir trop tourné sur le circuit. Bon. Ça va être folklorique, hein. Alors pour la reprise, vous nous en voudrez pas, mais on a mis l'IA en pro parce que bah, faut qu'on se reprenne un petit peu nos marques. Moi, ça fait un moment que j'ai pas retouché à F1 2013 par rapport à Moi, ma ça fait saison un sur F1 an. 2014, plus bah, F1 2015, hein, que forcément on est tenté de tester quand même. Donc, Ouais, non, c'était pas la peine, hein. Non, donc non, non. là, on va essayer de finir cette coop là sur F1 2013 en sachant que maintenant, ça y est, on aura des vidéos qui vont être vachement plus intéressantes du fait que bah, Cédric va pouvoir filmer. Et puis voilà, hein, donc ça va être top. Hein, vous allez pouvoir profiter des deux sons de cloche pendant les courses. On va pouvoir switcher d'une caméra à l'autre depuis donc que Cédric a son PC. Ouais, exactement. Alors moi, je vais refaire ma config du volant parce que Steam m'a tout simplement fait une mise à jour et ça m'a supprimé les configs. Donc je vais refaire. Alors moi j'ai pris Tac. des réglages du jeu, hein, pas les réglages neutres mais les réglages un petit peu avancés, qui tend vers la vitesse, puisqu'on a une Ouais. météo sèche pour le week-end. Et puis je me lance là sur la piste pour aller faire un chrono, hein, voir un petit peu ce que ça dit. Ok. Alors on espère que pour le son vous nous entendez bien, hein, Ces trois dernières courses qu'on va faire sur F1 2013, on espère qu'elles soient le mieux possible pour vous. Alors en plus effectivement Cédric, toi tu vas avoir en plus des réglages paramétrés, enfin des paramètres à rentrer un peu plus pointus vis-à-vis du volant. Donc vous avez dû voir vendredi la vidéo du test du volant SteelSeries de Cédric et je pense que tu as dû faire vendre quelques produits au travers de ta Ouais, vidéo. exactement. Bah après, faut encore fabriquer les pièces, hein, Oui mais je mais pense que vu la disponibilité, il doit y avoir parmi des bricoleurs. les abonnés, il y a des bricoleurs et puis je pense que au vu du bricolage qu'il y a à faire, qui n'est pas très très compliqué, je pense que c'est à la portée de quelqu'un qui bricole régulièrement assez aisément. Tout à fait. Donc pour l'instant, je fais chauffer les gommes parce que bah, température froide dans les pneus, ce qui fait que j'ai du mal à tenir les points de corde encore, mais ça c'est normal. Alors les pneus qui sont sélectionnés pour ce week-end, c'est les pneus à flanc blanc pour les plus durs et les pneus à flanc jaune pour les tendres. Il faut se réhabituer à utiliser le KERS aussi. Ah ouais, complètement, hein. C'est vraiment bizarre. On voit qu'il y a un drapeau jaune dans le premier secteur et c'est une Red Bull qui est en travers, c'était Weber. Que d'ailleurs j'ai failli encadrer puisqu'il était en train de manœuvrer pour se remettre dans le bon sens. Et bah, comme on sait hein, dans la coop, l'IA ne fait pas attention à nous. Bon, enfin, dans la fin 2015, elle n'est pas vilaine non plus. Elle a pas été vraiment améliorée. Alors dans la fin 2015, c'est vrai qu'on entend un peu de tout hein, sur les commentaires et sur les différents forums. Il y en a qui apprécient cette IA qui est plus combative, enfin que certains qualifient comme plus combative. Ouais. Nous, on a un peu du mal encore à s'y faire à cette IA. Alors certes, elle est plus combative, elle se laisse pas faire facilement, mais des fois c'est à la limite
Du régulier. Ouais, un peu abusé. C'est vrai que. Puis les pénalités qui sont pas non plus très sévères. Alors que là, j'ai perdu énormément de temps dans mon premier tour car Button m'a tout simplement gêné. M'a pas vu. Un petit travers à la réaccélération juste avant la ligne de départ arrivée. Vous savez, quand on prend un peu en main sur 2013, il était quand même vachement plaisant. Ah oui, c'est clair. Mais c'est assez compliqué de switcher d'un opus à un autre, sachant les évolutions qu'il y a eu entre les différentes versions. En 2014, vraiment très très simple. Hein, ouais, ça c'est clair. Et ce qu'il faut aussi noter avec le 2015 et qui est aussi perturbant pour moi là, pour jouer au 2013, c'est que je commence à me faire à la conduite du 2015 avec le force feedback qui est très neutre. Et là, ouais, s'y refaire, c'est vrai que c'est très dur. Hein. Et là, ouais, on retrouve à nouveau les sensations, on retrouve la voiture, le poids de la voiture, le poids du volant. Voilà. Je viens de faire pas mal de conneries, il y a des enchaînements de virages, là, il y a les deux chicanes qui suivent, là. J'ai perdu énormément de temps et j'ai fait énormément de bêtises. Alors, on va essayer de faire un tour un peu meilleur. Vais-je avoir assez de carburant pour finir mon tour? Ah, ça fait bizarre, hein. Ça c'est clair, vraiment. Ah, c'est perturbant. Hein. Et la direction qui n'est pas du tout la même en fait, alors c'est un peu bizarre aussi. Quand on fait plusieurs tours sur la fin 2015 pour le prendre en main et se mettre sur celui-là, il y a projet de carte au milieu aussi. Oula, c'est beaucoup. Alors, projet carte, en parlant de projet carte, justement, c'est un petit peu le jeu que j'ai un peu oublié là ces derniers temps. Alors, un peu parce que j'ai pas énormément de temps pour jouer, et puis aussi parce que avec la fin 2015, j'ai préféré passer du temps à creuser sur ce nouvel opus. Mais du coup, c'est vrai que je le boude un peu là depuis pas mal de temps. Là. Bah, ça fait plus d'un mois maintenant que j'y ai pas retouché. Il y a d'ailleurs un nouveau DLC qui vient de sortir. Pour ceux qui sont de grands amateurs de la marque aux 4 anneaux, un DLC avec. Il est payant, il fait. Je crois qu'il est à 5€ si je dis pas de bêtises sur Steam. Donc c'est pas très cher et ça vous rajoute, je crois, 5 ou 6 voitures. Donc des protos, des voitures de série, tout de la marque Audi, des anciennes et des récentes. J'étais persuadé que Project Cars n'allait pas suivre l'exemple de Forza, justement. Je pensais que vu le peu de voitures qu'il y avait, ils allaient quand même mettre au moins de temps en temps des packs gratuits, mais en fait même pas. Non, c'est la mode, hein, les DLC payants. Il y en a eu il y a pas longtemps aussi, de DLC avec les protos Mercedes et tout ça, qui était lui aussi payant, aussi de l'ordre de 5€ aussi, pareil. Alors, je suis éliminé avec Hamilton, pour l'instant, hein. Je dois refaire encore un tour, parce que sans les essais, j'ai eu un peu de mal. Hein. Ouais, on a un peu fait de la merde, là, enfin, c'est moi surtout, hein. Je suis désolé. Non, mais...
Ouais, moi aussi, parce que j'ai fait mes réglages en plein milieu de la piste. Oui, du coup, Cédric s'est payé une disqualification, c'est ce qui nous a donc amené à vouloir relancer la session de d'essai libre, et bon, ça n'a pas été concluant pour le coup. Ah, c'est bon, là, je commence à... De toute façon, on sait très bien qu'au bout de 3 tours, tu vas nous signer les meilleurs chronos et puis on va plus te voir toute la course. Essayer de s'y remettre. En tout cas, avec le style série, c'est très plaisant. Il me tarde d'essayer tout ça. Allez, c'est parti. On peut lancer pour le dernier. Il reste 10 minutes dans la session. Ah, Milton qui est dehors avec moi, hein. Ouais, mais on fait confiance au pilote britannique qui va nous sortir un chrono dont il sait et dont il a le secret. Le traction control aussi, c'est pas évident de s'y remettre. Hein. Ouais. Il est assez sensible finalement. On a Rosberg pour l'instant qui a le meilleur temps avec un 1:30-124. Particulière hein, sur cet opus hein, et qui a perduré aussi dans les opus suivants, puisque quand on est sur le tour de sortie des stands où on est censé donc tourner au ralenti, on laisse passer l'IA qui est peut-être sur un tour rapide ou un tour d'accélération, et elle vient se planter devant nous, puis elle met le pied sur le frein, et puis voilà. Ouais, c'est assez piégeux quand même hein, cette histoire. Ah oui, sans essai libre, ouais, forcément, ça aide pas trop. Mais ça ravira nos abonnés de nous retrouver en coop, en tout cas, et même si on a un résultat qui est moyen, je pense que ça leur fera plaisir. Bon, ça c'est quand même la grosse frustration de se dire que quand même, sur la fin 2015, on n'aura pas cette possibilité de faire une coop. Ah bah ouais. Moteur qui est assez faiblard. Hein. Pourtant, à cette époque-là, Grosjean et Raikkonen avaient réussi à faire quelques podiums avec cette voiture. Hein. J'ai été bien gêné par Hamilton, ça fait plaisir. Qui m'a fait perdre quelques centièmes. En même temps, à sa décharge, je me demande où est-ce qu'il aurait pu se foutre à part dans l'herbe pour me laisser passer. Parce que c'était dans la grande courbe à droite, tu sais. Celle qui se fait en accélération et qui se ferme. Le travers, petite raquette là à la réaccélération. Ouais, c'est un circuit où il faut un moteur parce qu'il y a quand même des grosses lignes droites pleines charge.
Et il y a aussi des enchaînements de virages où il faut aussi qu'il y ait de l'appui hein, sur les roues parce que sinon la voiture elle part vraiment au large. C'est pas évident. Hein. Oula oui, t'as déterré un... Ah, j'ai tiré un SUG pour justement coller l'écusson sur le casque avec le casque à Bianchi de Chao Jules. Et c'est vrai que c'est assez agréable. Bon, pour la première, quand c'est la première fois, c'est un peu plus de tête, mais après, c'est assez sympa quand même. Je me suis trop bien tiré. Alors, ce qu'il faut se dire, c'est que la manipulation n'est pas très compliquée, mais une fois qu'on a compris le principe, après ça se fait tout seul. Alonso, Weber, Rosberg, Massa se tiennent dans le top 5. Après, c'est tout le reste au-delà de la zone, à partir de 2 tonnes qui est 6e. Je pense que ça ne va pas des masses, mais par contre, la place en Q2 va coûter cher, je pense. Ouais, ah, ouais. Dans le Q3, je veux dire, ça va être chaud. Hein. Va falloir s'arracher, ça va être quelque chose de sévère. Hein. Bon, j'ai pas chaussé encore les super tendres. Hein. Je suis resté vraiment. Ça tombe bien, ils y sont pas hein, sur ce circuit. C'est les tendres. Ah, c'est les tendres alors, ouais. Tendre et dur. Ok. Plus de 2 minutes 20. J'aurais même pas l'occasion de ressortir pour faire quelques tours pour pouvoir m'entraîner, donc ça restera comme ça. Ouais, mais j'ai fait une erreur dans le dernier secteur, là, ce qui m'a coûté des dixièmes. J'avais pris de l'avance, j'avais amélioré de 3 dixièmes, je crois, dans le deuxième secteur, mais le troisième secteur a été fatal et j'ai perdu 2 dixièmes au final, donc j'ai pas amélioré mon chrono pour l'instant. Et je suis avec les pneus tendres justement là, pour essayer de bien me mettre à l'abri, mais je pense que ça suffira pas. Enfin, ça devrait me permettre de passer en Q2, mais j'améliorerai pas en tout cas parce que je suis sur la réserve d'essence. Voilà où je voulais en venir. Alors, tu es exactement. Pour l'instant, 14e. Je suis 14e, ouais. Non, non, je suis pas inquiet, je pense que ça devrait passer. Ouais, ouais. Vu les voitures qu'il y a derrière, tu devrais juste éloigner un petit peu ton micro, j'entends ton souffle. Oh, pardon. Alors, voilà. Ça peut être mon souffle et ça peut être aussi parce que je suis en courant d'air. Ça peut être aussi le vent de l'extérieur qui passe et qui souffle. Peut-être. Parce que là, il vient d'y avoir un petit coup de vent et... qui était bien agréable d'ailleurs, par ces températures caniculaires. Allez, les ingénieurs qui rentrent la voiture dans le stand. Ah, c'est quand même plus sympa la voiture qui rentre avec nous à l'intérieur quand même. Bah, disons que c'est plus réaliste quand tu vois le mécanicien qui lève la bagnole et qui met le skateboard dessous, parce que là ils la font ripper sur le sol, elle tourne sur elle-même mais sans être sur le skate, donc c'est assez étrange quand même. Bon, la séance va se terminer, qu'est-ce qui se passe derrière? Il se passe pas grand-chose. Hein. Oh bah non, voilà, ça y est.
Bon. Eh ben, on a eu quand même un peu Allez. chaud. Ah, t'as quand même une pénalité de 10 places sur la grille. Je vais me la prendre quand même. Ah, merde! Alors, décidément, alors là, sur cette course-là, c'est vraiment pas la. C'est vraiment la poisse, hein. N'importe quoi. Bon, on Sachant commence bien. qu'on joue quand même le championnat, ça va être chaud. Ouais, c'est clair. Avec Hamilton qui en plus trône devant. Enfin bref. Les éliminés sur cette première séance de qualification. Donc on a Daniel Ricciardo, Pastor Maldonado, Max Chilton, Jules Bianchi, Charles Pic et Jadon Van der Garde. On va passer à Q2. Et cette fois-ci, Q2 qui va s'attaquer directement avec les pneus tendres. Sans Bon, aucune bravo, forme de devant de la pitié. voiture. Et je pense qu'on va prendre une petite seconde au tour, je pense. Ouais, je pense qu'on va avoir des problèmes sur ce circuit. La voiture manque de puissance. Alors, je vois déjà Cyril Roche sur la page Facebook qui va nous faire des grands commentaires de réglages techniques. Ah, je peux m'empêcher de le saluer parce qu'à chaque fois, il est omniprésent sur les pages et il nous donne toujours bien des bons conseils. C'est C'est dommage que clair. ça tombe à chaque fois que les vidéos sont toutes tournées, mais l'intention y est en tout cas, ça sert pour les prochaines. Alors, est-ce que la meute va sortir en même temps? Bah, comme Même d'habitude. pas. Même pas. Non. Ils en ont pas envie là. Comment ça se fait? Sur la grève? Ah, ça y est. Ah bah quand même. Ils En ont même fait un temps, tu leur plan. laisses pas le temps là. Oh, 30 secondes quand même de réaction. Ah, ils ont eu 30 secondes, hein. D'habitude, c'est moins de 5. Hein. Bon, ils le font aussi dans le projet de Cars, hein, ce système là. C'est pas faux. Ils sortent tous en même temps Ils et... sortent, regarde, t'as vu, il y en a trois qui sont sortis et derrière ça suit pas forcément. Que c'est agréable de retrouver ce bruit. Alors c'est vrai qu'il y a un YouTuber qui nous a donné le lien du Race Department pour les moteurs V12 notamment, sur le nouvel Opus. Et c'est pas mal du tout. Hein. J'ai pu essayer, c'est vraiment sympa. Ouais, j'ai vu ça, c'est un abonné même plutôt, qui nous a filé le lien dans un commentaire d'une vidéo et c'est vrai que j'ai pas installé moi, j'ai juste regardé un peu à quoi ça ressemblait. C'est ouais, le V12 et le V10 sont vraiment sympas avec le bruit du turbo. Il y a eu un super travail de fait. Ouais. Alors je sais pas d'où ils les sortent les sons, si c'est des sons qui sont tirés de bruit de moteur, de bagnole, de rallye ou je sais pas quoi, mais c'est bien Bah, a foutu. priori, de ce que le gars dit dans la. Ouais, je crois que c'est lui qui les a modifiés. Hein. Je sais pas comment il fait après, hein, mais c'est vrai que c'est assez impressionnant. Et puis, faut pas oublier quand même pour 2016, ils sont censés. Il y a l'obligation de changer le bruit. Hein. Le Formule 1 va faire plus de bruit parce que. Il était temps. Ah bah oui, là on perd un peu de ça perd un peu de son charme l'affaire. D'ailleurs en parlant des mods et de F1 2015, pour ceux qui sont pas encore au courant, mais je pense que la plupart d'entre vous l'êtes déjà, mais je le précise quand même, soyez pas pressés de voir des mods sortir sur F1 2015 pour la simple et bonne raison que le moteur du jeu ayant changé, tous les fichiers de texture du jeu ont changé également. Et du coup, bah, les éditeurs qui existaient jusqu'à maintenant pour faire les modifications dans les fichiers ne sont plus utilisables, tout simplement. Donc les bidouilleurs, on va les appeler comme ça, qui faisaient les programmes pour miffer les textures et tout ça, bah, voilà, ils n'ont plus qu'à rebosser leur copie pour trouver en quoi sont faits ces nouveaux fichiers et puis trouver le logiciel qui va pouvoir les traduire et les décompresser pour qu'on puisse de nouveau modifier nos textures de fiches de voiture ou de casque dans Photoshop comme on le faisait jusqu'à présent. D'ailleurs, pour l'instant, dans les mods sur F1 2015, hormis le bruit des moteurs, il n'y a que une amélioration graphique. Ouais, y'a rien, hein. Point de plus. Et cette amélioration graphique vise en fait à effacer l'effet de flou pour rendre l'image plus nette. Ouais, ce flou, il est un peu trop présent. Bah justement, donc c'est un fichier à remplacer dans le dossier du jeu et il enlève cet effet flou. Mais alors, tu as pu essayer? Non, je l'ai pas essayé, puis de toute façon, le jeu, comme il rame sur mon PC,
ma carte graphique n'étant pas assez puissante, du coup, j'ose même pas encore pousser les graphismes plus loin parce que c'est horriblement frustrant d'avoir un jeu comme ça et pas pouvoir en profiter au maximum. Comme j'ai lu sur un forum, un mec a dit qu'il avait changé de carte graphique pour F1 2015 justement, et que sa réaction quand il a changé de carte graphique c'était juste waouh. Ça a changé ? Ah bah pour lui oui ça a vraiment changé ouais. Et je pense que pour moi ce sera pareil parce que c'est vrai que le jeu je le pousse pas à fond, les effets de lumière. Tous les reflets sur la voiture, des lumières et les voitures dans les rétroviseurs, c'est saccadé. Ouais. Donc c'est vrai que c'est pas très agréable. Ben, ça commence bien. Pour l'instant, 12e temps avec 128 millièmes de retard. Ouh là là, le travers, la réaccélération. J'ignore vraiment si on va arriver à passer Q2. Hein. Ton dernier tour te permet d'être cinquième. Ah, je décroche une cinquième place, tiens. J'ai perdu énormément de temps dans les deux derniers secteurs. Putain, Hamilton, sérieux? Allez. Punaise, c'est incroyable ça. Donc pour résumer, premier secteur, j'avais une demi-seconde d'avance sur Hülkenberg qui est dixième. Et puis Hamilton était là. Et fin du deuxième secteur, j'avais 2 secondes 5 de retard. Ouais. Ouais, il m'a complètement bloqué dans les chicanes, les deux enchaînements, la gauche-droite, la rapide, avant le grand droite. Ouais. Et c'est là où je perds énormément de temps déjà habituellement, mais alors en plus, si je me retrouve avec une enclume qui est sur son tour de sortie. Ouais. Allez, on va. De toute façon, j'ai rien à perdre. Je vais mettre un train de pneus neuf et on est reparti. Thank you.
il ressort tout de suite. Parce que je sais pas combien de temps il reste. Je vais t'analyser la situation de l'intérieur. Et puis moi je pense que je ressortirai pas. Ce n'est pas la peine. Alors, ça dit. Vettel, Hamilton, Massa, moi, Rosberg. Je pense que si t'as un bon tour devant toi, tu peux largement aller chercher le Kemberg. Je pense que la 7ème place, elle est largement à ta portée. J'ai une piste claire devant moi, donc normalement il reste 5 minutes hein, tu peux toujours faire 2 tours hein, je pense hein. Impressionnant, c'est qu'Alonso est éliminé aussi. Mais ça se tient vraiment dans un mouchoir de poche hein, pour la Q3, c'est impressionnant. Tout est possible. Hein. Alonso qui vient à l'instant d'améliorer. Et voilà. Tout en apnée. Ouais, vous m'avez pas entendu pendant un tour. Hein. Mais faut se battre continuellement avec la voiture. Hein. Est-ce que ça suffira? Je pense. Parce qu'après, il y a une seconde. Hein. Donc, tu es en 1.30.678. Button est derrière toi à 1.36.03. Et tout le reste sont en 1.31.296. Donc je les vois pas améliorer d'une seconde, donc je pense qu'on est en Q3 tous les deux. C'est plutôt une bonne nouvelle ça. C'est plutôt une bonne nouvelle, sachant que je pense que tu partiras devant moi, donc ça sera sûrement l'avantage. Voilà, à savoir que dans le deuxième secteur, j'avais amélioré mon chrono de 80 millièmes. Donc je pouvais encore pousser un petit peu.
Ouais, mais ce dernier secteur est vraiment super piégeux, hein. C'est vrai que il a je perds beaucoup de temps, je sais pas à quel endroit, mais dans les deux derniers secteurs, c'est. Ben, on a des voitures qui sont vachement survireuses, elles partent vraiment facilement au large. Donc ouais, c'est assez pénible. Bon, il reste 40 secondes dans la séance. Je propose qu'on vote pour la fin de la session. Bon, il reste quoi? Il reste 30 secondes. Allez. Oh là là. C'est pas Voilà, la possible. séance est terminée. Allez. Donc, ben toi, tu vas partir donc avec tes 10 places de pénalité. Ah ouais, c'est ça. Hein. Ils m'ont pas oublié. Hein. Et donc maintenant, on a quand même Q3 hein, où il faudrait que tu arrives à faire ben, la pole pour bien faire pour partir 11e. Ouais, ça va être dur parce qu'à chaque fois, parce que on le répète, hein, mais partir dans ce jeu avec du monde dans le peloton, c'est dur quoi. Parce Ben, que vu on a qu'ils vu, voient hein, pas, ouais, depuis le t'as début de l'expérience. depuis le début d'une saison coop où je suis dans le milieu de peloton, je suis en galère tout le long. Hein. Et ouais, parce qu'on peut pas doubler parce qu'ils nous voient pas, donc c'est très subtil. Et du coup, bah, c'est en plus c'est nous qu'on prend les pénalités à chaque fois, donc c'est pas amusant. Voilà. Donc vous avez eu largement le temps de lire qui était éliminé, hein, dans cette séance. Et donc, Q3. Alors. La meute va partir. Comme d'hab. Petit temps de réaction. Allez, faites pas les timides, hein. On sait, hein. C'est ce que c'est. Voilà. Et c'est parti. Là, tu vois, par contre, ils partent groupir. Ah, il part vraiment groupir là. Rien à dire, hein. Il va rester plus que nous. Donc je te laisse partir en premier. Ouais. Bon, allez. Voilà, j'attendais que les deux autres partent parce que normalement il devrait y avoir 8 bagnoles en piste. Ça y est, c'est fait. Il reste plus que nous. Muy bien, muy bien. Allez, let's go. Let's go. Concentration, concentration. Ah oui, là on n'a pas le droit à l'erreur, hein. Ça va être en plus sachant que ce sera les pneus avec lesquels on partira Ouais, contrairement le fameux one shot. voilà, le fameux one shot, hein. Espérons qu'il soit le moins pourri possible. Parce que s'il faut faire plus de tours, eh ben, on va vraiment être handicapé parce que les pneus vont s'user à une vitesse phénoménale. On a vu là les pneus tendres, au bout de 3-4 tours, ils étaient déjà à 86%. Donc, Oh, c'est un circuit où les gommes elles morflent énormément. Que des virages en appui quasiment alors. en Vraiment sachant que... le dernier secteur. Ouais, si tu as l'opportunité en partant
à la 11e ou plus sur la grille, si tu as l'opportunité de choisir tes gommes, ce qui devrait être logique. Oui, je pense que ça va être le cas. Je te conseille, enfin, je pense que tu n'avais pas eu le coup, par rapport à une stratégie dégagée. Ce qui va se passer, parce que comme ça, j'évite une partie du peloton de fou, là. Moi je me suis perdu dans mes réglages de carburant et d'aileron, alors j'ai fait de la merde. Oh là là, mais c'est une catastrophe. Je suis allé tondre la pelouse. C'est pas grave, on va se remonter sur un deuxième tour. Mélange pauvre. Pourquoi nous disons les gars? Hamilton qui nous a fait un 1.29. Les Mercedes qui sont bien cheatés en cette 2013 aussi. C'est absolument n'importe quoi hein, quand on sait qu'elle était toujours dans le milieu de peloton ou quand elle est arrivée à finir les courses. Ouais, à l'arrivée, ouais. Iceman est 9e pour l'instant. Ah oui. Ça va falloir miser sur ces stratégies décalées. Thank you.
Ah, c'est ça qu'ils auraient dû implémenter aussi dans les opus, si on voulait juste changer les gommes, ouais, mais ils pouvaient pas faire le ravitaillement par contre, c'est vrai. C'est obligé de rentrer la voiture pour remettre l'essence. Ouais, comme tu sais, un certain temps, quand on envoie les ravitaillements, c'est vraiment sympa. On est tombé à la dixième. Une 27, non, j'ai pas le temps de sortir des stands et repartir pour faire un tour, ça sert à rien. Combien il reste? Il reste une 21. Je ressors, mais c'est. Ouais, non, mais tu vas user de la gomme pour rien. Non, je fais marche arrière sur la grille. Tu vas te faire disqualifier. Je dis ça, je dis rien. Donc pour l'instant, ouais, on a un peu chié dans la colle. Il aurait peut-être fallu partir devant la meute, vraiment en tout début de séance, pour pouvoir se permettre de rentrer au stand et repartir pour une deuxième salve de chrono. Ouais. Là, clairement, là, on n'a pas été bon. C'est dur la reprise, hein, quand même. Ceci dit, si je regarde les chronos, j'ai quand même le meilleur premier secteur. Ah, je l'avais aussi, voilà. Je sais pas après si toi tu es passé avant moi ou pas. Alors, j'avais le meilleur premier secteur, toi tu l'as passé, mais c'est peut-être parce que t'es en pige, j'en sais rien. Tu l'as passé en 47-9, mais ça me paraît vraiment bizarre. Voilà, la séance est terminée, donc Lewis Hamilton partira en pole devant Fernando Alonso, Sébastien Vettel en 3, 4ème Nico Rosberg, Felipe Massa en 5, Weber en 6, Button 7, Perez 8, je partirai donc 9ème et toi tu partiras donc 20ème. Ouais. Pas plus, pas moins. Ça va être une course qui va être longue et douloureuse, mais bon. Allez, on va croiser les doigts et puis on va essayer de faire au mieux. On vous dit à dimanche pour la course. En attendant, portez-vous bien. Salut à tous. Salut à tous.